Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver en 2021. Voilà, bonne année à tout le monde, tous ceux qui me suivent. Voilà, je vais pas revenir sur les vœux. Je vais attaquer tout de suite un petit canvas avec vous. C'est les YouTube Hop de. Ah, je fais un peu de ménage, hein. Le YouTube Hop de janvier. Voilà. J'espère que vous allez bien, hein. Et c'est parti pour une petite création. Alors, une petite création où il fallait faire soit une carte, soit un canvas, avec une porte, une clé. Voilà. Donc, moi, j'ai opté pour le canvas, hein, vous me connaissez. Je vais utiliser forcément des peintures acryliques. Donc, celle-ci, je vous les montre brièvement, celle-là. J'ai pris deux jaunes parce que j'en ai un qui est presque vide. De la peinture de chez la peinture. Un effet granuleux pâte de chez Lidl. Voilà. Ça, c'est des peintures PBO, Action, VBS. Enfin, c'est des peintures acryliques. Hein. Et puis, je vais utiliser une noire en très légère quantité de chez Lidl. Celle-ci de chez VBS en petite quantité aussi. Je vais utiliser du gris. Je vous les montre parce que. Après, je vais tout en accélérer parce que c'est long. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par le fond. Je vous invite, avant de commencer, à aller voir le tuto des copinettes que je mettrai en barre d'infos. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Allez, vous êtes prêts? Moi aussi. C'est parti.
Alors là, c'est une porte que j'ai prise sur Google, voilà, que j'ai collée sur une cartonnette de récup et que je vais coller ici. Voilà. Je vais les coller avec de la néoprène. De la néoprène que j'ai pu mettre par là. Voilà. J'ai tout préparé dans mon petit panier. Donc voilà. Donc c'est parti. Je vais mettre de la colle. Voilà. Comme il faut un temps de séchage, et ben on va aller sécher. Et puis on va se retrouver tout à l'heure. Voilà. Je vais mettre des choses lourdes dessus. Bien ajuster ma porte. Voilà ce que ça donne. Hop. Et voilà. Je vais mettre des choses lourdes et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Allez, c'est reparti. Ça doit être sec maintenant. Bon, il a fallu quelques temps, hein, pour que ça sèche. On va continuer notre chantier. Donc voilà, j'ai mis un livre en dessous parce que je vais travailler ce côté-ci. J'ai fait un petit trait au crayon gris, je sais pas si vous allez le voir, tout petit, pour faire une démarcation, parce que j'avais envie de faire la base de mon mur plus clair. Donc j'ai pris un petit peu de gesso sur mon doigt, et puis je vais frotter comme ça, légèrement, des petites traces, comme ça, dessus. Très léger. N'est-ce pas? Je dis ça, mais à chaque fois j'en ai une tonne. Voilà. Encore un petit peu là. Pas trop. Un petit peu sur la base. Histoire de faire un vieux mur, n'est-ce pas? Voilà, je crois que je vais laisser comme ça. Je vais enlever le gesso que j'ai mis à côté parce qu'autrement je m'en porte. Non, je vais le mettre sur mon cahier tout à l'heure. Moi, journal, ça sert toujours. Donc voilà, on en est là. Donc je vais faire quelques petites traçounettes de crayon noir. Donc je vais prendre un crayon comme ça, qui était dans un bloc de dessin, qui est vieux comme Hérode. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vais faire des petites traces de noir autour de mes éléments. Donc, un petit peu là. Voilà, juste comme ça. Voilà, je verrai après si j'en rajoute. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, un petit peu de noir pour faire de l'ombre. Je vais mettre un petit peu là. Voilà. Donc voilà. Ensuite, eh ben, on va coller nos petits pots. Bah oui, c'est les petits pots de chez Action. Vous les reconnaissez, c'est ceux-là. J'en ai un qui a tombé, forcément. Oh, le voici. Donc derrière, j'ai mis des petites cales, puisque je vais les mettre dans des endroits précis. Des cales que j'ai fait avec du carton de récup. Il y a encore des fils de colle. Donc il y en a un que je vais poser là. Celui-ci, je vais le poser à cheval sur la porte. Et celui-ci, je vais le mettre dedans, penché, comme ceci. Donc je vais les coller à la colle chaude. Donc c'est parti. Un petit peu de colle chaude là. Hop. Pas trop à cheval quand même. Et l'autre un peu penché. Voilà. Hop. Bien sûr, c'est dans du papier patouille que j'ai découpé. J'ai collé sur de la cartonnette et j'ai vieilli l'encre. J'ai vieilli le tour de mes pots
avec de l'encre Distress Photo. Voilà. Celui-ci, je vais le coller là. Voilà. Comme ceci. Et dedans, ben, je vais y mettre des petites plantes. Voilà, je vais débrancher ma colle avant qu'elle coule partout. Des petites plantes. Voilà. Des fleurs sèches, bien sûr, hein, que j'ai séchées. Des fleurs de mon jardin que j'ai séchées, pardon, j'avais à le dire. Donc, je vais les mettre dedans. Comme ceci. Je vais les coller avec du gel médium. Je vais les mettre dans mon petit pot. Hop. Donc voilà, j'ai fini ma composition florale hors caméra, parce que je sentais que ça me prenait le chou. Voilà, j'ai tout collé, tout séché, ou presque. Donc voilà, on va terminer notre chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Je vais coller ma petite clé, d'accord, avec de la colle. Avec de la colle que j'ai pas préparée. Celle-ci, c'est pas grave. La colle, c'est de la colle, hein. Un petit peu de colle derrière ma découpe. Donc, c'est une découpe que j'ai doublée, que j'ai collée sur un petit carton. C'est une toute petite clé. Un set de dice que j'avais eu avec Sylvie, de la chaîne Syl Scrap Chouette, au début qu'on se connaissait. Voilà, toute petite, petite. Donc là, je la colle en biais. Ah ouais, j'ai envie. Je la mets là. Ensuite, je vais mettre une petite serrure là. Voilà. Donc, toute petite serrure qui vient du même set de dice. Je ne l'ai pas préparée pour vous montrer. Mais il y a des clés, des cadenas, toutes sortes de clés. Bien sympathique. Et puis voilà. Voilà, j'ai mis la serrure. Oui, je disais donc, avant d'être interrompu, j'ai collé ma petite clé, ma petite serrure. J'ai les mains pleines de colle, plein de gesso, plein de tout. Et ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, mettre un petit titre. Allez, c'est parti. Ben, moi, je vais mettre « Bienvenue dans mon univers ». Voilà. J'ai écrit mon texte sur mon ordi, je l'ai imprimé et puis je l'ai collé sur de la cartonnette, tout simplement, et ancré avec de la vintage photo. Voilà. La petite dernière, j'espère que je l'enchante, je regarde même pas, ben, pas trop, hein, ni, hein, pas trop, voilà, évident, hein, puis en plus la carte est diminue, donc, voilà, voilà, donc, voilà, voilà pour ma création, je vais faire un petit peu de vintage photo autour, j'aime bien, voilà, et peut-être un petit coup de crayon noir, ou il manque de crayon noir. Allez, tout autour, surtout là où c'est blanc, histoire de donner du relief
à mon histoire, n'est-ce pas? J'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé du vernis craqueleur, je vous l'ai montré pendant la vidéo, le même que j'utilise d'habitude, un vernis que j'ai acheté chez Lidl il y a très très longtemps, et il est très bien. Alors si jamais vous le revoyez dans votre magasin, surtout n'hésitez pas, c'est de la bonne qualité. Un petit coup là, et voilà. Moi, pour ma part, ça me va très bien comme ça. Sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je vais peut-être un peu basse la caméra. Je vais essayer de la remonter un petit peu. Forcément, c'est juste à la fin, hein, que je remonte. Mais bon, j'espère que vous avez quand même vu ma création. Donc, un petit coup de crayon noir, j'ai dit. Un petit coup de crayon noir. J'ai vu que là, ça manquait. Bah ouais. Et je vais donner un petit coup de crayon de pinceau à réservoir d'eau, histoire de fuser mon noir encore plus. Le fait de mettre du noir, ça crée du relief. Et j'aime bien. Voilà. Un petit coup de pinceau. C'est un crayon aquarellable, hein. Je crois que c'est fusain. C'est du fusain, je crois. Mais bon, c'est tellement vieux que je l'ai. Au début, je faisais beaucoup plus de dessins. Donc, bon, les voyous, quoi. Hein? J'en mettrais bien un peu par là aussi. Histoire de vieillir mon mur. Allez, c'est parti. C'est une vidéo qui va durer longtemps. Oh, oh, oh. C'est pas grave. On a le temps, hein? On est en 2021. Il faut prendre son temps. Il faut pas s'énerver. Et puis voilà. Voilà. Un petit coup en dessous là. Ça sec encore mes étiquettes. Donc je fais attention, je mets le doigt dessus. Faut juste que je l'emmène pas avec moi. Oh. Là, je vais pas mettre tout autour, je vais mettre juste en dessous et sur un côté seulement. Voilà. Hop. Il est plus pointu, alors il fait pas l'affaire. Hein. Et comme je vais pas chercher un taille crayon maintenant, je vais plutôt le faire fuser avec de l'eau, histoire de. Et voilà. Tac. Et voilà. Bon, je laisse comme ça. Voilà pour ma petite vidéo pour les YouTube-up de janvier, la première de l'année. J'espère que vous avez aimé, que ça n'a pas été trop long. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir le tuto des copines qui ont fait de jolies créations aussi. Voilà. Merci à vous, puis à bientôt. Au revoir.